Alors, eh bien, nous, on conclut sur une table ronde politique. Alors, moi, je suis super contente, je suis DGS. Et d'habitude, quand les politiques sont là, je dois me taire. Parfaitement. Alors, vous pensez bien que j'ai accepté de prendre l'animation de cette table ronde. Et puis, je vais faire mon boulot de DGS, en fait, parce que quand un élu vient me voir et qui me dit, bah voilà, il faudrait mettre en place telle politique ou il faudrait faire telle action, moi, je fais mon boulot, je leur dis, bah, pourquoi on va faire ça? Donc, je vais vous poser des questions simples. C'est pourquoi vous mettez en place des politiques en direction des jeunesses? Parce qu'on a bien vu depuis ce matin que ce n'était pas une seule jeunesse. Pour qui vous les mettez en place? Parce qu'il y a des jeunesses. Ensuite, bah, comment on les pilote, et notamment comment on les pilote de manière partenariale, parce que département, région, État, vous ne pouvez pas faire tout seul avec vos petits bras, vous êtes obligé d'avoir des relais sur le territoire. Et puis après, comment on évalue ces politiques, parce qu'on sait bien que l'évaluation, c'est quand même quelquefois le parent pauvre des politiques publiques en France. Et enfin, comment la recherche académique pourrait nous accompagner. Alors moi, je vous propose que vous répondiez à la première question, à tour de rôle pour éviter d'avoir... voilà. Donc, bah, pourquoi et pour qui, monsieur le maire, le département du Pas-de-Calais met en place des politiques en direction des jeunesses? Bon, en tous les cas, depuis le début de cette journée, c'est surtout monsieur le proviseur et ses équipes, hein, et ses élèves qui mettent le feu à ce colloque et à ce séminaire. Et vraiment, une fois encore, merci pour l'accueil et la façon dont ils ont organisé, avec bien sûr l'ensemble des équipes, cette journée. Alors pourquoi effectivement le département du Pas-de-Calais a souhaité depuis de nombreuses années d'ailleurs développer une politique en faveur de la jeunesse? D'abord parce que ça fait partie de nos compétences. Vous le savez certainement, mesdames et messieurs, hein, le département est la collectivité de la solidarité, bien sûr aux côtés des communes et de leur CCAS, mais pour vous donner un ordre de grandeur, pour le département du Pas-de-Calais, 78% de nos dépenses de fonctionnement sont consacrées à nos actions en faveur de la solidarité. Et parmi ces compétences, il y a effectivement, vous l'avez dit tout au long de cette journée, l'accompagnement des jeunes accompagnés au titre de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement des jeunes qui sont dans une situation de rupture ou une situation de vulnérabilité ou de fragilité. Il y a aussi l'accompagnement des jeunes qui sont sans emploi. Ça relève aussi des compétences du département. Donc il y a déjà effectivement ces compétences sur lesquelles nous nous positionnons. Et concernant le département du Pas-de-Calais, et quand je dis ça, ce n'est pas une critique vis-à-vis des collègues des autres départements, on a voulu aller beaucoup plus loin. Et on a voulu que dans chacune de nos politiques publiques, de nos politiques sectorielles, le sport, la culture, le logement, l'insertion, on ait aussi un focus particulier vis-à-vis des jeunes du Pas-de-Calais. Et puis enfin, on a même voulu aller encore au-delà de cela, parce que nous avons depuis une dizaine d'années activé différents dispositifs purement volontaristes. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment la volonté politique du département du Pas-de-Calais vis-à-vis des jeunes, des mesures universelles pour tous les jeunes qui habitent le Pas-de-Calais. On les aide notamment à passer leur permis de conduire. En contrepartie d'un engagement bénévole associatif, on accompagne chaque année à peu près 2000 jeunes sur le permis de conduire. On accompagne aussi les jeunes qui souhaitent organiser un premier voyage de façon autonome, bien sûr avec d'autres jeunes, c'est quand même plus sympa de le faire en groupe. On accompagne aussi les jeunes dans le cadre des projets citoyens ou des projets solidaires qu'ils veulent organiser. Donc, vous le voyez, il y a effectivement des compétences qui sont les nôtres, mais on a cette volonté d'aller effectivement beaucoup plus loin. Merci. Monsieur Zilani, la région. Alors, c'est département, région, État, mais ça, bien, vous n'y verrez pas là de hiérarchie. Oh, on est bien d'accord. Hein. Donc, monsieur Zilani, pour le conseil régional. Alors, je vais essayer de ne pas être redondant, mais mon collègue a bien résumé les choses. Aujourd'hui, je crois qu'on fait tous de la jeunesse une priorité. D'ailleurs, la région est chef de file en matière de jeunesse. Et donc, à la région de France, on va en effet, dans toutes les politiques, hein, de manière transversale, avoir des priorités sur la jeunesse. C'est environ un peu plus de 80 millions d'euros par an qui sont engagés pour des politiques directes auprès des jeunes, que ce soit des grandes politiques ou des aides directes. Hein, vous en avez parlé, c'est très important, parce que je crois qu'aujourd'hui, les jeunes attendent aussi des aides directes et concrètes. Et vous avez parlé de l'aide au permis. La région Hauts-de-France a aussi une aide au permis, a également des aides en matière de transport. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de mobilité internationale, qui est très important. La semaine dernière, j'étais à Lille pour un événement qui s'appelle Cap sur le Monde, qui réunit plusieurs milliers de jeunes, justement pour développer cette mobilité européenne et internationale. Et c'était tout à fait intéressant ce que j'entendais tout à l'heure avec ce blocage culturel, hein, de peur de partir à l'étranger.
L'expert avant disait venir de la Vénois, moi aussi, très beau territoire du Nord que je connais bien. Et il est vrai que c'est un territoire où on a moins cette habitude de partir à l'étranger. C'est moins dans nos codes, c'est moins dans nos gènes. Et donc, il y a un peu ce blocage. Et donc, nous, avec Cap sur le Monde, on essaie de réunir des lycéens. On paye d'ailleurs le billet de transport pour venir à cet événement, pour leur dire, vous pouvez partir à l'étranger, c'est formidable. Mais je leur dis surtout, c'est de revenir, parce qu'on a aussi un autre phénomène, c'est qu'ils partent et ils ne reviennent pas. Donc, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose de purement essentiel, qui va s'appuyer sur différents secteurs. Alors, je ne peux pas faire autrement que de parler des lycées. Les lycées et l'éducation nationale, c'est un vecteur extrêmement important de notre jeunesse. Et je remercie M. le proviseur et toutes ses équipes parce qu'ils sont au cœur du réacteur et des réalités du quotidien. Mais je crois que vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'on n'y arrivera pas seul. Et c'est un travail qu'on doit faire en commun. Et moi, ce que j'ai apprécié, si je suis venu aussi aujourd'hui, c'est que je salue vraiment cette volonté d'avoir réuni tous les acteurs. Parce que c'est sûrement une des faiblesses, peut-être qu'on évoquera tout à l'heure, hein. Mais on n'a pas assez de moments comme ça pour discuter entre nous avec des chercheurs, des spécialistes, les différentes collectivités, l'État, et qu'on se mette tous autour de la table et dire comment on fait pour améliorer la vie des jeunes. Parce que si on fait ça, c'est pour concrètement améliorer la vie des gens. Et vous disiez à quel type de jeunes? Moi, je vous dis à tous les jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui va bien aura besoin un jour de la collectivité. Un jeune qui va pas bien aura encore plus besoin de nous. Mais le but ultime, c'est de créer cette égalité de réussite, cette égalité des chances. Et pour ça, la collectivité interviendra à un moment de vie différent. La mairie va intervenir dans le quotidien, la région lorsqu'il va partir à l'étranger, le département lorsqu'il aura besoin de solidarité, l'État avec l'éducation nationale. Donc c'est ensemble qu'on arrivera à concrètement changer la vie des gens. Et je crois que le mot concret est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui dans nos grandes politiques, sur le terrain, ce qu'on entend c'est « qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Et on a besoin maintenant de résultats. Voilà les quelques propos luminaires, mais je pense que le débat, je peux faire 3 heures là-dessus, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est tout à fait enrichissant. On reviendra aux résultats quand on parlera de l'évaluation. Monsieur Selos, pour la DRAGES. Oui, donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est très cohérent avec nos collègues du département, de la région. Les intentions sont partagées. Alors pourquoi des politiques jeunesse? Un, parce que la jeunesse, c'est notre richesse à tous, c'est notre futur. C'est aussi les citoyens de demain. Et donc, la DRAGES, vraiment, elle veut mettre l'accent sur ces dimensions-là en favorisant l'engagement des jeunes. On a beaucoup parlé de l'engagement. Les engagements sont présents, nombreux, divers, variés chez les jeunes. Et aujourd'hui, il faut valoriser ces formes d'engagement parce que c'est eux qui façonnent notre société, c'est eux qui vont façonner notre demain. Donc, cette dimension, elle est importante et elle s'inscrit dans le temps. Et la notion de parcours, hein, vous l'avez bien souligné, elle est aussi très importante. Le parcours quotidien, le parcours hebdomadaire du jeune, et donc l'éducation formelle, de l'éducation nationale, mais tout ce qui se fait autour aussi, toute l'éducation informelle qui passe par les associations, qui passe par le périscolaire, qui passe dans la famille, on a parlé tout à l'heure du DRE, de l'accompagnement des familles, enfin toute cette dimension, elle est importante. Un parcours qui se voit aussi dans un parcours thématique, la culture, le sport, enfin tout ce qu'on peut mettre à profit. Et enfin, un parcours de vie. Un parcours de vie, et donc réussir à structurer des parcours d'engagement citoyen tout au long de 3 à 30 ans, pour que faire de nos jeunes les futurs adultes qui vont construire notre société. C'est vraiment essentiel et c'est là-dedans qu'on s'inscrit pour toutes les jeunesses, je le confirme. Ok, mais j'ai bien compris pourquoi c'est vos compétences, c'est pour les jeunesses de demain. Mais on a dit aussi tout à l'heure que les jeunes étaient très très loin des institutions. Alors comment on fait pour aller, nous, institutions, aider des jeunes qui considèrent que les institutions sont très loin d'eux et qui ne voient pas ce qu'on va faire pour eux? On change l'ordre. Allez, on va commencer. Un gros enjeu pour nous, c'est le réseau d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout citoyen, un jeune informé, c'est un jeune qui sait aller chercher les dispositifs. Donc on a un gros, gros sujet autour de l'information, à travers la labellisation des points d'information jeunesse, à travers les CRIJ aussi, qu'on accompagne régulièrement, en partenariat avec la région. Et puis, bien sûr, aussi, on a une réflexion aujourd'hui qui est autour de la construction d'un outil dématérialisé qui s'appellera la boussole des jeunes. L'idée, c'est vraiment, vous avez un projet, vous devez pouvoir trouver facilement quel est le dispositif, quel est l'interlocuteur qui va vous accompagner dans ce projet. Aujourd'hui, on travaille là-dessus avec la région, le CRAJEP, et vous avez déjà, hein, quand vous allez sur le site de la boussole, vous rentrez un projet, si vous laissez vos coordonnées, il y aura quelqu'un qui vous rappellera et qui regardera pour personnaliser votre parcours, parce qu'effectivement, des dispositifs, il y en a plein, je pourrais vous citer plein de choses. Mais l'idée derrière, c'est quel est le dispositif adapté à l'instant de mon parcours et qui va permettre d'enchaîner avec le reste de mon projet. Monsieur le maire, monsieur Silassi. Oh ben, comme tu veux.
Oui, je ne suis pas sûr que les jeunes méconnaissent plus nos institutions et les différents dispositifs que leurs parents ou leurs grands-parents. Je trouve qu'on est parfois beaucoup exigeant vis-à-vis des jeunes, alors que franchement, ils n'ont peut-être pas de leçons à donner. Du moins, pardon, leurs parents et leurs grands-parents n'ont peut-être pas de leçons à leur donner, notamment en matière d'engagement. Oui, bah, je pense que vous avez raison. Depuis ce matin, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est « aller vers ». Et je pense que tous les professionnels qui sont intervenus depuis ce matin l'ont beaucoup dit. On adapte nos méthodes, on adapte la façon dont on va aller au contact des jeunes, donc on va aller les sensibiliser, essayer de les accompagner, de les inscrire dans différents dispositifs. Je pense qu'on en a tous conscience aujourd'hui, et c'est ce qu'on s'attache à faire, nous, avec le département du Pas-de-Calais et l'ensemble de nos services. Il y a d'ailleurs pas mal de collaborateurs qui ont témoigné ce matin. Avec la maison des ados, bah, ça en est le meilleur exemple. Avec les CPEF, on a aujourd'hui des coachs jeunesse dans nos missions locales qui ont pour rôle justement d'aller accompagner les jeunes. On est vraiment dans, bah, comme le nom l'indique, dans du coaching. On va les accompagner pour faire les démarches, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas toujours facile. Et puis, on l'a dit depuis ce matin, il y a parfois un empilement des dispositifs qui fait que ce n'est pas toujours lisible et ce n'est pas toujours accessible pour nos jeunes. Donc, on est de plus en plus dans ces démarches-là. Et puis, vous l'avez dit, en adaptant aussi l'information. Il y a un formidable boulot qui est fait par le CRIJ à ce niveau. C'est vrai que ce n'est pas évident, effectivement, de concentrer toute l'information à destination des jeunes. D'ailleurs, nous sommes partenaires du CRIJ, le Pas-de-Calais est partenaire du CRIJ. Donc je pense que petit à petit, effectivement, on adapte nos façons de faire et on est vraiment de plus en plus dans l'aller vers. Merci. En effet, enfin, c'est tout à fait, j'allais rebondir sur le CRIJ, parce que ne serait-ce que sur le territoire du bassin minier, de mémoire, c'est 30 points d'information jeunesse qui existent, qui ont le mérite d'être encore plus connus, mais qui sont là vraiment pour travailler cette chose essentielle qui est le aller vers. Et j'étais il y a quelques jours à l'inauguration d'un point d'information jeunesse à Anor, à côté de Fourmies, dans la médiathèque. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le aller vers. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à 1000%, notamment l'empilement des dispositifs. Et d'ailleurs, le CRIJ a un site internet qui fait office de guichet unique numérique, si je peux me permettre, qui a vocation justement à chaque jeune sur chaque territoire, de manière assez simple. Il n'est pas assez connu ce site, mais très très bien, de savoir ce dont il a droit. Mais le vrai enjeu là-dedans, c'est la question de confiance envers les institutions. C'était un peu le sens de votre question. C'est que les jeunes, il y a un manque de confiance envers les institutions. Et ça, on ne le réglera que, à mon avis, que par les résultats. Parce qu'aujourd'hui, je suis également adjoint en charge de la démocratie participative et de la proximité dans la ville. Ce constat, on le retrouve chez les jeunes, mais ailleurs aussi. Et si on veut régler ce problème de crise de confiance, c'est par les résultats qu'on y arrivera une nouvelle fois. Moi, j'en suis convaincu. Si les gens ne croient plus aux institutions, c'est qu'ils ne voient plus les résultats de l'institution. À quoi ça sert? C'est ce qu'on entend quotidiennement sur le terrain. Vous interrogez les jeunes. Tu connais ta mairie? Non, mais à quoi ça me sert? Pourquoi je connaîtrais ma mairie? Donc il faut aussi que nous, on ait un travail de pédagogie à refaire et de proximité pour rappeler à quoi on sert et en quoi on les aide. Pourquoi, grâce à une collectivité, ils ont un tarif particulier sur les transports? Pourquoi la cantine, ils la payent moins cher? Pourquoi l'école publique est gratuite? Pourquoi ils sont dans un lycée qui leur permet une formation? Et ça, une nouvelle fois, c'est le aller vers et c'est le terrain. On peut chercher midi à 14h. C'est vraiment un travail de fourmi, de terrain et de proximité. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à retisser ce lien de confiance entre les gens et les institutions, mais aussi entre les jeunes et les institutions. Il y a aussi un milieu, moi, sur lequel je m'appuie beaucoup, c'est le milieu associatif. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tiers de confiance. Vous savez, vous faites du porte-à-porte, vous toquez « Bonjour, mairie de Lens, je dis au pif, hein, mairie de Maubeuge. » Oui, bah, c'est bon, c'est la mairie, dégage. Hein. « Bonjour, association du quartier. Ah, ça va ?» Et c'est important d'avoir des tiers de confiance. Et moi, je m'appuie énormément en matière de jeunesse sur ce tissu associatif. Les Hauts-de-France, c'est 104 000 associations. On a la chance d'être dans une des régions les plus dynamiques en matière de vie associative. Et j'invite toutes les collectivités à s'appuyer sur ce réseau, parce que ce réseau, c'est un tiers de confiance avec qui on peut travailler main dans la main pour justement toucher les jeunes et ce qu'on appelle aussi les jeunes invisibles. Oui. Alors, si le maire de Rennes était là, je ne suis pas sûre qu'il serait d'accord avec vous sur « Toi, t'es la mairie, dégage ». Parce que pour le coup, on est le réceptacle de toutes les difficultés qui se passent sur la ville. On est le réceptacle de toutes les problématiques de tranquillité publique qui se passent. Et on est le réceptacle aussi de « ça va pas ». Et donc, on se fait engueuler. Donc, mais je ne vais pas parler à sa place puisqu'il n'est pas là. Donc, mais quand même, c'est un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Et je passe. Le pilotage. Non, je ne me venge pas. C'est parce que c'est la réalité du terrain. Et à chaque fois que vous dites « toi, mairie, dégage »,
Moi, je me dis, ouais, j'aimerais bien qu'il dise souvent non, mais il dégage. Il s'éloigne souvent à ma ce porte. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est... J'ai caricaturé. Mais c'est pas le cas. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est une institution ouais, et qu'on voit les gens, on sent j'entends. Bien qu'il y a cette absence de confiance. Que quand on y va, même à titre exactement. Privé ou élu personnellement ou à titre associatif, on a un accueil qui est différent et que les gens ont une tendance aujourd'hui à rejeter tout ce qui est institutionnel ouais. dans sa globalité. J'ai peut-être pris un mauvais exemple parce que la mairie, c'est peut-être le dernier maillon de la République qui marche bien. Mais aujourd'hui... Oui. On voit bien, et d'ailleurs, Rem, je connais bien, je vous expliquerai pourquoi après, mais en oui. tout cas, y a quand même, on voit bien que quand il y a l'institution, il y a cette perte de confiance qui existe et qui, je trouve, s'est renforcée avec les années. Alors, du coup, le pilotage de ces politiques, le pilotage partenarial de ces politiques, comment vous pilotez ça, vous comment vous... voilà. Comment vous travaillez? Comment vous pilotez? Quand est-ce... Allez, racontez-moi ça. Il y a beaucoup de façons de faire. Déjà, il y a une question d'échelle. C'est-à-dire que nous, Drages, on est censé piloter des politiques d'État au niveau de la région académique Hauts-de-France. Donc ça commence à faire une échelle compliquée. Donc il faut qu'on réussisse à trouver le lien avec le territoire aussi. On travaille avec d'autres acteurs institutionnels. Que ce soit la région, le département, les intercos, les communes et ainsi de suite. Donc déjà, il faut réussir à gérer ça. Donc ça peut paraître être beaucoup de comitologie, mais c'est aussi déjà beaucoup de temps d'échange, beaucoup de travail partenarial, être capable de valider des objectifs partagés, valider des réponses partagées à ces objectifs, créer ce dispositif de confiance entre partenaires aussi et entre acteurs, pour qu'on soit dans les effets de levier et pas dans les effets de concurrence. Donc il y a vraiment une dimension comitologie. Après, il y a, je dirais, les fonctionnements propres à chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est État. À un moment, il y a quand même une commande nationale qui est passée. Cette commande nationale, nous, on doit la mettre en perspective et la mettre en cohérence avec le territoire sur lequel on est. Et se donner les moyens d'avoir des relais qui le met en cohérence avec l'ensemble des micro-territoires qui composent le territoire. Donc ça veut dire que de cette commande d'État, nous, on doit faire l'approche bottom-up, je serais tenté de dire, pour réussir à mettre ça en cohérence, mais aussi organiser derrière le suivi, l'évaluation, donc la remontée, forcément dans un premier temps qualitative, mais celle-là, c'est toujours la plus compliquée à faire, et aussi quantitative, parce qu'il faut donner des chiffres, il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir démontrer ce qu'on a fait sur un territoire. Et donc, il y a besoin, effectivement, d'avoir ces allers-retours permanents entre le terrain et puis, je dirais, l'échelon national pour réussir à faire en sorte qu'on arrive à piloter une politique, à l'orienter, à la mettre en perspective, en tirer des enseignements. Alors, on a des mots barbares, hein, genre des rétex, maintenant, je découvre ça, hein, les retours d'expérience qu'on organise sur les différentes politiques qu'on mène qui sont nécessaires pour essayer de trouver des mesures pour que même si une politique est performante, elle devienne encore plus performante et être capable aussi de dire sur cette politique-là, on s'est planté, il faut qu'on fasse autrement. Monsieur Zielani, monsieur le maire. Comme tu veux. Allez. Comment vous pilotez ça dans le Pas-de-Calais? Alors, vous me posez la question à un moment où le département du Pas-de-Calais est en train de réécrire sa politique départementale en faveur de la jeunesse. Et donc avec cette volonté d'abord de consolider tout ce que nous faisons, hein, je l'évoquais dans mon propos introductif depuis à peu près une dizaine d'années, mais aussi d'investir de nouveaux champs. On a cité pas mal de ces champs ce matin, notamment celui de la santé mentale, hein, qui est une problématique majeure à l'échelle de notre région, et d'ailleurs au niveau national, on en a bien conscience. Et donc on est en train de réécrire tout ça, et on a mis effectivement, on a posé cette question de la gouvernance, et comme vous le disiez, du pilotage. Le pilotage, il est d'abord politique. Incontestablement, quand on s'engage dans une politique jeunesse, c'est parce qu'on a la volonté politique, au-delà des compétences qui sont les nôtres, de s'engager dans cette politique dynamique et volontariste. Deuxièmement, nous allons revoir effectivement le pilotage technique de cette politique en faveur de la jeunesse, parce que nous avons bien conscience qu'il faut aussi créer des passerelles et davantage de synergie, de coordination entre nos différents services. Entre un service qui va faire de l'insertion professionnelle, un service qui va s'occuper par exemple de l'accès à la santé, de l'accès à la culture, aux loisirs, d'un service qui va plus s'occuper de l'accès au logement. Donc on a bien conscience qu'il faut davantage coordonner eh bien, l'ensemble de nos équipes. Donc vous voyez, ce pilotage, il sera à la fois politique, parce que je reste convaincu que c'est une volonté de la collectivité et des élus, et ensuite il y aura bien sûr un pilotage technique. J'ajouterai que depuis ces dernières années, nous avons aussi ce que nous appelons un groupe expert qui réunit l'ensemble des mouvements d'éducation populaire qui interviennent dans le département du Pas-de-Calais. Alors vous les connaissez, hein, c'est Léo Lagrange, c'est la Ligue de l'enseignement, ce sont les Francas, c'est Famille Rurale. Il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent sur le champ de l'éducation populaire dans notre département. Et donc nous avons constitué avec eux un groupe expert avec lequel on réfléchit, avec lequel on réoriente eh bien, nos différents dispositifs. Et bien sûr, nous subventionnons en grande partie les actions qu'ils mènent en faveur des jeunes de notre département. Merci.
la région. Je crois qu'il faut qu'on soit humble sur cette question parce qu'on travaille bien concrètement, c'est fluide entre nous. On se voit quasiment tous les deux jours. On se croise tous très souvent, mais je crois qu'il y a quelque chose à revoir quand même entre nous sur le. Parce qu'on parlait de pilotage politique. Aujourd'hui, on a tous une bonne volonté. On finance les mêmes associations en éducation populaire, qui sont les acteurs d'émancipation. On a tous cette même volonté, mais il manque aujourd'hui, il faut le dire, faut être humble, il manque un quelque chose qui regrouperait toutes les collectivités pour dire, on fait comment concrètement dans la complémentarité, peut-être dans la complémentarité ou tirer dans le même sens sur quelque chose. Vous voyez ce qui se passe sur le bassin minier, c'est très intéressant. C'est comme dans l'ensemble ravennois, c'est qu'on se dit, on se met tous autour de la table pour travailler ensemble. On a à peu près aussi ce raisonnement-là en politique de la ville. Ce principe, faudrait peut-être le généraliser. Parce qu'on est bien plus efficace si on va tous dans le même sens, alors qu'on a tous la même volonté, qu'on va être sincère, qu'on va grosso modo essayer de faire la même chose. Et je pense qu'il faut être très humble sur cette question et se dire, je pense qu'il manque, moi il manque une instance, il manque à Lyon, je vois la Dragesse bientôt là-dessus, et c'est un peu notre volonté, essayer de rapprocher tout le monde. Mais je pense qu'il y a, il manque quelque chose qui vraiment mette tout le monde autour de la même table. Alors on a ce vrai défi à savoir, comme tu l'as dit, tout à fait pertinent, entre les services d'une même collectivité, où la jeunesse, on va la retrouver partout. Donc, il faut déjà réussir à mettre de la fluidité de l'information là-dedans. Je ne parlerai même pas de l'État. Mais je veux dire qu'on arrive à se mettre tous d'accord là-dessus. Et puis ensuite, il y a entre nous. On se voit souvent, on va être d'accord. Mais voilà, il manque quelque chose là-dessus. Et c'est aussi important d'avoir des événements comme celui d'aujourd'hui qui permettent de relever ce problème et se dire comment on pourrait réfléchir à quelque chose de pertinent. Alors, c'est peut-être un comité de pilotage, on peut l'appeler comme on veut. Et ensuite, il y a la deuxième question qui est en effet très importante, c'est l'évaluation. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Nous, à la région, il y a un remaniement qui vient de se faire la semaine dernière. Je suis vice-président depuis 4 jours. Pas victime, au contraire, vous avez... Si je suis venu vice-président, au-dessus, c'était président, donc ça se serait su. J'ai une promotion. Mais il y a un nouveau vice-président en charge des finances et de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est très, très important pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et comment on fait pour améliorer les choses. Et je pense... Dans ce qui a amélioré, il y a ce comité de pilotage entre nous qui n'existe pas réellement aujourd'hui, qui a le mérite d'être existé. Par exemple, c'est très bien que j'apprenne aujourd'hui, vous réécrivez les politiques jeunesse, il faut qu'on se rencontre, on finance les mêmes associations, est-ce que nos CPO sont alignées, est-ce qu'elles sont complémentaires, voilà, tout simplement. Et il y a un moment, il manque cette instance. Oui, je pense qu'il y a effectivement une question de transversalité au sein des grosses institutions que sont les vôtres. La question de la transversalité aujourd'hui... le travail en silo, c'est mort. On en meurt du silo. Donc, il faut vraiment travailler en transversalité. Et puis, franchement, moi, en tout cas, DGS, une commune où on a un service 0,25, quand il faut prendre en charge cette tranche d'âge-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une population qui est difficilement captable, qui est volatile, qui passe, qu'on trouve, qu'on ne trouve plus. Et nous, en tout cas, on serait vraiment preneur pour avoir une instance, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la jeunesse. Et peut-être que ça serait le lieu ici de travailler sur le bassin minier dans le cadre de l'ERBM sur la question des jeunesses tous ensemble. La CAPH fait aussi son travail, donc la Porte du Hainaut fait aussi son travail sur les stratégies jeunesse. Elle tire aussi des conclusions. Ça serait intéressant qu'on partage les diagnostics de territoire. Moi, je ne sais plus, Alexis, quels sont l'égalité homme-femme, qui est une des préoccupations des jeunes. Je vais parler de mémoire, parce que je n'ai pas révisé. Le deuxième, c'était la volonté d'aller à l'étranger, et la volonté de travailler son projet. On est bien là-dessus ? Merci. Donc, est-ce qu'on partage tout ça sur le territoire ? Est-ce que ça, c'est un constat que nous, on a fait sur notre territoire, mais qu'on peut faire sur tous les territoires ? Et l'égalité homme-femme, j'attire vraiment l'attention là-dessus. J'en parlais avec Mélanie et avec Richard tout à l'heure. La question de la femme sur le bassin minier et de la jeune femme sur le bassin minier, c'est un réel souci. On parle dans le RBM, on travaille sur toutes les rénovations des espaces publics, etc. Mais les femmes dans l'espace public, aujourd'hui, les femmes n'existent pas. Les espaces publics et les aménagements urbains, et je parle d'éventuels étudiants ici qui pourraient travailler à un moment donné en aménagement du territoire et en urbain, mais aujourd'hui, les espaces publics sont essentiellement masculins parce que la profession a été masculine pendant très très longtemps et les femmes ne font que traverser
les espaces urbains sans y rester. Et le premier espace public auquel les filles sont confrontées, c'est la cour de récréation. Et la cour de récréation, c'est le premier espace public auquel les filles sont confrontées. Et la cour de récréation aujourd'hui, elle est masculine. Et aujourd'hui, il faut travailler sur les cours d'école non genrées. Et on fait, nous aussi à la CAPH, on fait ce travail avec Edith Marié-Jouls. Et je ne sais pas si vous connaissez Edith Marié-Jouls, qui est une urbaniste de genre. Ben, il faudra qu'on l'invite. Alors moi, je ne vous donne pas, vous ferez ce que vous voudrez hein, du congrès de l'année prochaine. Hein. Mais si on pouvait faire un congrès sur la place des femmes dans le bassin minier et faire venir aussi Edith Marié-Jouls sur cette thématique-là, je pense qu'on avancerait grandement tous ensemble sur cette thématique-là. Je ferme la parenthèse. Juste complètement avec le harcèlement de rue dont parlait Frédéric ce matin. C'est la résignation. Pour aller dans votre sens, hein, cette transversalité intra et extra, elle est essentielle aujourd'hui. Et effectivement, c'est la problématique de ce type de politique, c'est-à-dire on est sur une entrée publique, et ça veut dire que les jeunes, ils ne s'intéressent pas juste aux loisirs et puis à leur éducation, mais ils s'intéressent à tout ce qui constitue la société. Donc penser l'espace public à travers les yeux des jeunes, penser la cour de récré à travers les yeux des enfants qui la fréquentent, enfin la logique à hauteur d'eux, hein, je ne sais pas si enfin, Clément Rivière, qui est un collègue... travaille avec vous. Hein. Clément Rivière, il est en train d'accompagner les communes associées de l'île de l'OMLM sur leur projet éducatif global, qui est la ville à hauteur d'enfant. On est vraiment dans ce sujet-là. C'est comment, aujourd'hui, on est capable de penser la ville en se mettant à leur place et pas simplement en pensant ce qui est bien pour eux. La question de l'évaluation. Alors, je reviens à mes objectifs de tout à l'heure. Pourquoi on fait ? Parce qu'on évalue par rapport à des objectifs. Donc, on sait évaluer généralement... quantitativement, c'est pas compliqué, ça, on prend du chiffre. Par contre, comment on fait pour évaluer qualitativement les politiques que vous mettez en place ? Vous avez 3 minutes. Parce que je sais pas quelle heure il est, mais... Alors, il y a on a beaucoup parlé du tissu associatif, il est essentiel. On a des têtes de réseau avec qui on travaille, qui nous aident justement à évaluer les politiques qu'on mène, qui sont au plus près des territoires qui accompagnent. Donc les remontées, le travail, l'interaction avec les têtes de réseau associatifs sont essentielles. Le travail avec les collectivités locales aussi. Hein. Comme vous dites, aujourd'hui, la mairie, c'est le dernier recours pour beaucoup de gens. Et donc, effectivement, c'est des gens avec qui on doit discuter pour pouvoir avancer. Et après, il y a effectivement ce qui est un peu l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est comment nous, collectivités ou États, on est capable de s'outiller pour associer le monde de la recherche, pour nous aider à faire évoluer, pour accompagner nos politiques publiques. Donc, au niveau de la DRAGES, on a des échanges réguliers avec plusieurs laboratoires sur le territoire, notamment le laboratoire Géricault, avec qui on essaye de construire ça. Et puis, on a aussi un institut qui s'appelle l'INGEP, hein, qui est quand même un institut national aujourd'hui qui nous aide à évaluer, à accompagner les politiques publiques et éducation populaire qu'on mène sur le territoire. Ouais, il y a la question des critères. Quels sont les critères et c'est ça qui est essentiel. Et là, on a besoin de vos cerveaux, de vos lumières. Parce que j'avais envie de vous parler de bonheur tout à l'heure, mais... Bah, demandez à un jeune, parlez-moi de bonheur, mais dire un jeune, est-ce qu'il est heureux d'être sur son territoire ? Est-ce qu'il est heureux de faire le métier qu'il souhaite ? Est-ce qu'il est heureux d'être là où il est ? Et c'est ça, moi, la question que je me pose, c'est si je fais de la politique, à un moment, c'est pour me dire bah, les personnes seront plus heureuses demain qu'hier. Enfin, je l'espère, même si ce n'est pas toujours vrai, on vit dans un monde difficile. Mais la question, c'est est-ce que grâce à nos politiques, on améliore la vie des gens ? Et est-ce que les gens sont plus heureux ou moins malheureux ? Et ça, comment on le critérise et enfin, ça semble très difficile. Il faut un regard scientifique, objectif. Et c'est purement essentiel parce que je vous parlais tout à l'heure, parce que pour moi, une des clés est l'émancipation. Est-ce que les jeunes sont plus émancipés grâce à nos politiques, grâce à l'éducation nationale, grâce à tout ce qu'on fait avec les associations, grâce à nos aides directes ? Et ça,
le qualifier, le critériser, le rendre scientifique, c'est leur boulot. Et c'est ce qu'on attend aussi, nous dire si on fait bien ou pas notre boulot. Parce que nous, on est évalués tous les mandats. Enfin, je veux dire, on a les élections pour être évalués. Oui. Mais comment sont évaluées nos politiques, c'est une très, très vraie question. Et quels critères on peut mettre derrière? Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ouais, je partage effectivement ton propos totalement. Tu parlais de comment les jeunes expriment le fait d'être heureux, de vivre dans un territoire. Alain Bavé évoquait ce matin l'étude qui a été menée par le PMA, donc là sur les trois agglomérations minières du département du Pas-de-Calais. Ce qu'il en ressortait, c'est que les jeunes de ce territoire, ils en sont fiers. Ils sont fiers, et pas uniquement parce que le Racing Club de Lens est en Champions League. Non, mais parce que c'est un territoire qui a une histoire. Et c'est un territoire qui est en train d'évoluer, un territoire qui est totalement résilient, qui est dans une forme de rebond. Je pense que vous le savez bien. C'est tout, d'ailleurs, c'est tout l'objectif de l'ERBM. Donc ils sont fiers, effectivement, d'habiter sur ce territoire. Le tout, comme tu l'évoquais, c'est de faire en sorte qu'on réduise ces déterminismes qui pèsent encore dans des parcours de vie. Vous les avez toutes et tous évoqués depuis ce matin. Ces déterminismes sociaux, ces déterminismes culturels, c'est contre ça que nous devons effectivement essayer de nous battre. Et on sait qu'on a encore pas mal de travail à faire dans ce domaine. Et je partage tout à fait ton avis, ton analyse. L'évaluation, elle est d'ores et déjà en pratique dans la plupart de nos services. Moi, je ne connais pas un service du département. Je suis aussi élu de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Dans tous nos services aujourd'hui, il y a de l'évaluation. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et j'ai même envie de dire que c'est de plus en plus pointu. Je citais le partenariat que nous avons avec les mouvements d'éducation populaire. Bah, ces contrats de partenariat que nous avons, ils viennent d'être passés au peigne fin par une mission d'évaluation. Et je peux vous dire que ça a été fait en totale bienveillance et en concertation avec les mouvements d'éducation populaire. Mais je pense que là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il ne faudrait pas, au contraire, que cette volonté de tout évaluer soit un frein à la mise en œuvre de nos actions et de nos politiques. J'aimerais rajouter un truc, parce que tout à l'heure, déjà, ça m'avait marqué sur les déterminismes, parce que c'est une réalité. Mais aujourd'hui, moi, il ne faut pas qu'on tombe dans un piège, tous, même en politique de la ville. C'est un débat que j'ai parce que je présidais un organisme qui s'appelle IREV. C'est qu'à un moment, on a une tendance aussi, je trouve, à stigmatiser après le territoire. Vous voyez, moi, je suis originaire de Wattignies-la-Victoire, entre Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge. Aujourd'hui, je suis adjoint maire de Croix, je suis vice-président d'une région, j'ai fait des études. Pourtant, mon père était chauffeur-livreur chez Renault, ma mère est membre de l'éducation nationale. Si j'avais suivi un peu la logique, je ne partais pas à Lille faire mes études, je ne sortais pas de mon territoire. Ce qui est le cas de beaucoup de copains, d'ailleurs, hein, d'enfance. Et je veux dire, moi, je trouve que des fois, on tombe dans un piège aussi, à toujours dire les territoires les plus en difficulté, où on va avoir une petite tendance. Et il faut qu'on fasse gaffe à ça, à ne pas tomber dans ce piège de stigmatiser aussi le territoire. Parce que, vous voyez, il n'y a pas longtemps, je suis allé à une réunion, on dirait les jeunes qui viennent de l'Avesnois et de la Thiérache, enfants battus, etc. J'étais à côté d'un mec de la Thiérache, avec moi, on dit, putain, mais le jeune qui écoute ça, bah, ça renforce dans l'idée qu'il n'en sortira pas. Enfin, je veux dire, pas qu'il ne sortira pas de son territoire, mais qu'il ne sortira pas de ce déterminisme. Et donc, je trouve que de temps en temps, on a ce petit tous défaut, hein, collectif, hein, et la faute est complètement collective, de se dire, bah, comme c'est un territoire en difficulté, on met la lumière dessus. Alors moi, je me souviens d'un titre qui m'avait choqué, c'était Emmanuel Macron, et très bien, qui vient dans l'Assemblée avesnoise, et la une de TF1, le territoire oublié de la République. Et là, je me dis, taux de chômage, tac, tac, tac. Et je me dis, le jeune qui regarde ça, bah, il dit, je suis mort. Je suis mort. Et ça, il faut faire attention au discours qu'on tient, même au discours que vous avez en recherche, de toujours, toujours mettre focus là-dessus. Parce que ce sentiment de fierté, je peux vous dire, nous, on est une mafia de Maubeuge à Lille, hein. On est tout ça, tu viens de Maubeuge. Non, mais vraiment, il y a un sentiment. Mon mari est de l'Avesnois aussi. C'est vrai, d'où exactement? Ouais, d'Avesnes-sur-Helpe. Hein. Ah, et vous avez, il s'est cousins. Pas planté, hein, il m'a épousé. On est peut-être cousins. Parce que vous savez, je suis une famille, on est nombreux dans l'Avesnois, allons savoir, on va creuser un petit peu. Et j'étais en job étudiant à la BNP à Rennes, c'est pour ça que je connais bien Rennes. Mais voilà, on est fiers de savoir d'où on vient. Moi, je suis fier d'être originaire de l'Avesnois, et c'est ça aussi qu'on doit mettre en avant, parce que c'est des territoires aussi avec plein de richesses. Voilà, c'était juste à part, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. On va arriver à la porte de la recherche. Je voudrais juste savoir quelle heure il est, parce que je n'ai pas pris mon téléphone. Et... 16h20 ? Donc on est encore... on est cool, quoi. On est bien. Alors moi, par contre, sur cette évaluation, et sans vouloir du tout stigmatiser, j'ai quand même un indicateur chez nous, à la CAPH, mais c'est un indicateur qui peut être comparé à tous les territoires du bassin minier, c'est l'IDH4. Qui a été mis en place par la région, que peut-être certains d'entre vous connaissent. L'IDH4, donc, c'est un indicateur composite qui est composé de trois indicateurs, l'indicateur de santé, un indicateur de formation
et un indicateur de revenus. L'IDH4, il est compris entre 0 et 1. 0, c'est exécrable. 1, c'est excellent. L'IDH4 de la porte du Hainaut, il est à 0,39. Le meilleur indicateur de la porte du Hainaut, il est à 0,51. C'est à peu près celui de la région. Donc la région étant déjà 0,50. Le plus mauvais indicateur, c'est 0,19. Donc, je ne veux pas stigmatiser les territoires, même notre territoire, il est en vraie difficulté. Il est dans une situation extrêmement préoccupante quand on regarde ça. Et qu'est-ce qui tire le plus l'IDH vers le bas ? C'est l'IDH, c'est l'indicateur de santé. Sur le territoire, les hommes meurent 4 ans avant la moyenne nationale, les femmes meurent 3 ans. D'ailleurs, c'est 4, des brouettes et 3, des brouettes. Sauf que pour récupérer ne serait-ce qu'une semaine d'espérance de vie, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'indicateur de santé chez les jeunes, puisqu'on a parlé ce matin de la santé chez les jeunes, notamment sur la santé sexuelle, quand on sait que l'indicateur de santé, d'espérance de vie, il diminue in utero. Donc avant même qu'on soit né, l'espérance de vie diminue ou augmente. Donc quand on sait les difficultés dont on a parlé ce matin sur la santé des jeunes et la santé des jeunes femmes et à venir, ben, une jeune fille qui fait un bébé, donc déjà elle n'est pas sortie de l'enfance et elle fait un bébé. Donc ça, c'est des vrais indicateurs. Comment on fait pour agir tous là-dessus ? Et quand on sait que la santé, ce n'est pas forcément être malade ou pas malade, mourir ou pas mourir, c'est un bien-être, c'est-à-dire vivre le mieux possible dans un environnement de qualité avec un emploi de qualité. Voilà. C'est ça, le bien-être. Donc on ne stigmatise pas du tout, sauf que notre IDH, il est là. Nos problématiques, elles sont bien là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour se relever de ça ? Alors, ne croyez pas que je tombe dans la facilité en vous répondant de cette façon, mais j'ai malheureusement envie de vous dire, c'est dommage que monsieur le préfet de région ne soit pas resté jusqu'à la fin de cette réunion. Je ne vous le fais pas dire, monsieur le maire. J'aurais bien eu envie de lui dire ça là, ce matin, mais on n'avait pas le droit d'intervenir sur les présentations. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, depuis ce matin, je vois des gens qui se battent. J'entends des gens qui se battent, qui témoignent dans tous les domaines pour effectivement lutter contre ces déterminismes. Mais il y a un moment, moi j'ai envie de me tourner vers l'État, de dire qu'est-ce que vous faites pour apporter effectivement des politiques véritablement discriminatoires en faveur de nos territoires. Qu'est-ce que vous faites ? On sait les problèmes de démographie médicale que nous avons dans notre région et peut-être plus encore dans le bassin minier. Que fait l'État ? Alors il y a des grandes décisions nationales qui ont été prises et qui mettront du temps bien évidemment à produire leurs effets, mais on n'a pas l'impression que l'État est toujours à nos côtés. Il y a un sujet fondamental, là encore, qui est latent depuis ce matin. C'est celui des ressources. Je ne sois pas se voiler la face. La principale problématique des jeunes aujourd'hui, c'est la question des ressources. S'ils veulent accéder au logement, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il y a un moment ou un autre, le bailleur, qu'il soit public ou privé, il va regarder si le jeune il est en capacité de payer ou pas. Quand est-ce qu'on va se poser la question d'un revenu universel, d'une allocation universelle pour les jeunes de ce territoire ? Moi, je vais vous dire, le président Macron est venu dans ma commune en novembre 2018. Je lui ai remis en main propre un courrier qui parlait de l'ERBM et je terminais mon courrier en lui disant, monsieur le président de la République, si vous voulez vraiment sortir ce territoire des difficultés dans lesquelles il est enraciné, il faut mettre en place un revenu universel pour les jeunes de ce territoire. Alors là, c'est un peu facile mon interpellation politique, hein. Je l'avoue, le préfet de région n'est pas là. Mais la question cruciale, elle est là. Quand on entend parler de jeunes aujourd'hui, étudiants, qui sont dans la précarité, quand je vois toutes ces distributions alimentaires qui ont lieu sur les différents campus de notre région, mais c'est quand même une honte d'en arriver à cela. Donc tant qu'on ne sera pas posé les bonnes questions, je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression qu'on continuera toutes et tous, avec la meilleure volonté du monde, à se battre contre des moulins à vent ou contre des terris sur lesquels poussent de jolies fleurs. Voilà, enfin, il y a un moment ou un autre, si l'État ne met pas les moyens sur la table, on aura toujours beaucoup de mal, effectivement, à récupérer le delta que nous avons. Enfin, c'est malheureusement ces discriminations que nous avons par rapport à d'autres territoires. On vous avait dit, hein, qu'on allait mettre le feu. Hein. C'est monsieur le maire me l'avait dit. Hein. Alors, monsieur de la Dragesse, il faudra intervenir. Hein. Ouais. Et vous allez me dire comment vous faites pour faire venir Macron, parce que nous, on essaye depuis 4 ans, on n'y arrive pas. Bon, enfin, ouais. Allô ? Non, mais c'est un débat intéressant, parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout, mais ça fait du bien de parler de ces sujets-là, parce qu'ils sont importants. C'est vrai que le problème de pouvoir d'achat chez les jeunes aujourd'hui,
On travaille beaucoup avec les associations caritatives. La pauvreté chez les jeunes, elle est immense. Elle commence à, on va vers un vrai problème avec une crise du logement qui va être terrible. Et moi, c'est ce que j'essaie d'alerter un peu partout là, depuis 6 mois aux organismes d'État notamment. Je veux dire, attention, on voit à Lille, vous allez avoir des étudiants dans la rue parce que l'augmentation des loyers fait qu'à un moment, où est-ce que vont dormir les jeunes? Et c'est des vraies questions qu'on doit prendre à bras-le-corps parce que à 900 euros le loyer, moi je veux bien qu'on fasse des lois énergétiques pour dire tout ce qui est vétuste, il faut rénover sinon on ne loue plus, c'est bien. Hein. Mais on sort du parc des logements. Et où est-ce que vont les jeunes? Il faut peut-être régler les questions dans l'ordre aussi. Mais bon, sans rentrer dans aucun esprit polémique, je pense que comme tu l'as dit, à un moment, chaque territoire a des problèmes propres. Bah, faut faire confiance. Confiance aux acteurs locaux. Et moi, je crois vraiment que ce pays manque de décentralisation. On parlait de santé. Durant le Covid, on a quand même montré que les acteurs locaux, on a organisé en quelque temps les communes, les régions, les départements, les intercos. On a organisé des centres de vaccination en lien avec les associations de médecins, en lien avec la... Enfin, je veux dire, on a réussi à... Et je crois beaucoup en la décentralisation. Et je crois que si demain, parce que vous allez faire le même débat en Corse demain, les problèmes seront autres. Vous allez à Paris, les débats seront autres. Ils ne seront pas plus ou moins importants. Il y a des problèmes partout. Mais qui sont les experts du territoire? Ce sont les acteurs locaux. Et donc je crois qu'il faut peut-être renforcer les compétences des collectivités territoriales et locales, mais en parallèle, leur donner les moyens. Parce que depuis quelques années, on vit quand même une période où on nous donne plus de compétences, parfois, bah plus de responsabilités, pas compétences, mais plus de responsabilités, sans financement supplémentaire, bien au contraire. Donc il y a un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais faire confiance aux acteurs du territoire. Alors, le préfet, est toujours, ils sont à l'écoute, voilà, mais là, ça part plus du national, où je pense qu'il faut une nouvelle loi de décentralisation, parce qu'il y a eu, il me semble de mémoire, il n'y a pas longtemps, les 40 ans, l'anniversaire des 40 ans de la décentralisation, qui en a entendu parler, hein, personne. Hein. Donc il y a quand même un vrai changement de fonctionnement à réfléchir, notamment sur des questions de santé, de formation, où je crois qu'il faut vraiment nous donner plus de compétences là-dessus. Peut-être un mot complet. C'était pas un piège, hein, monsieur Solos. C'était une réflexion. J'ai reconnu qu'on travaillait bien avec vous. Juste un petit mot, je pense que ça illustre la question que vous posiez tout à l'heure. C'est-à-dire que la question de la santé, c'est aussi la résultante de plein d'autres politiques. Et elle ne peut pas se traiter seule. C'est un problème qui est beaucoup plus global, qui touche à la question de la paupérisation, qui touche à la question, effectivement, du cadre de vie. Et donc, tout revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à travailler en transversal. Et des directions décentralisées de l'État, il y en a quelques-unes, hein, en région. Se retrouver dans les termes et les autres acronymes, c'est costaud. Mais donc, du coup, c'est vraiment ça sur le quoi on doit mettre l'accent, c'est d'être en capacité, nous, Drages, de pouvoir travailler avec l'ensemble des directions thématiques de l'État pour faire en sorte que la question de la jeunesse soit prise en compte, que ce soit pour des questions de santé, de logement, d'éducation, enfin, tout ce qui va faire en sorte de construire leur vie. Oui, c'est bien que vous rappeliez que la question de la santé, il y a 15% de la solution des problématiques de santé dans notre contrôle local de santé à la CAPH, 15% qui est apporté par l'accessibilité aux soins, les médecins, l'accessibilité aux soins. 85% de la solution, ce sont les politiques publiques que nous menons en matière de qualité d'air, de qualité d'eau, de qualité des sols, de l'emploi, de l'habitat, etc. Donc 85% de la solution aux problèmes de santé, ce sont les politiques publiques que nous devons mener en transversalité. Alors du coup, la recherche académique. Comment la recherche académique peut venir... pourquoi vous vous sauvez quand on parle de... Vous savez pas ce que c'est, parce que moi j'ai du mal à comprendre ce que c'est que la recherche. Alors la recherche académique, qu'est-ce que tout le travail qui se fait par exemple à l'Institut fédératif avec toutes les universités et tous les chercheurs, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner ce territoire? Parce que l'Institut, il a quand même été créé pour le bassin minier, pour accompagner le renouveau des bassins miniers, pour accompagner le RBM et pour mettre une autre couche que de la réhabilitation de logements miniers et de l'aménagement de l'espace public. Il fallait mettre, j'ai envie de dire, c'est pas beau ce que je vais dire, mais je dis quand même, un supplément d'âme. Voilà. Comment on met un supplément d'âme là-dedans? Et comment on fait pour accompagner aussi d'autres problématiques beaucoup plus sociales? Et quand j'entends les conclusions de recherche de Frédéric ce matin, je pense que ça mérite quand même qu'on s'y arrête et qu'on se demande pourquoi on est toujours... Alors vous parlez de stigmatisation, il ne faut pas, mais le problème, c'est que nos populations se stigmatisent à la limite presque toutes seules
et que dans le bassin minier, on n'ose pas faire ça parce que c'est trop beau pour nous, on n'ose pas aller à l'étranger parce que c'est pas pour nous. Alors comment on fait pour lutter contre ces 30 ans ou 40 ans d'héritage culturel lié à notre passé minier et à notre passé, surtout minier d'ailleurs, plus... parce que le... Alors, excusez-moi, je continue deux secondes. Le passé minier, on sait quand même pourquoi les populations sont comme ça. Parce que Charbonnage de France, quand il est arrivé, il a donné, en échange du travail au fond de la mine et donc d'aller mourir au fond des mines, aux gens un habitat gratuit, un accès aux soins gratuits, un accès à l'emploi gratuit, forcément, parce qu'il est employé, et un accès aux loisirs, et un accès au jardin. Tous les logements miniers avaient un jardin. Parce qu'il fallait qu'ils puissent avoir une culture de qualité. Il fallait surtout les éloigner de toutes les luttes syndicales. Donc c'est comme... Et quand Charbonnage... Alors on prenait en charge complètement les mineurs. On est d'accord, hein, monsieur le maire, je n'invente rien. Et quand Charbonnage de France est parti, il a laissé tous les mineurs face aux collectivités territoriales. On est donc passé du patriarcat industriel au patriarcat municipal. Et on y est toujours. Comment on fait pour inverser cette tendance lourde, parce que c'est une tendance lourde, comment on fait et comment la recherche, elle vient nous accompagner là-dessus? Et ben c'est pour ça qu'on échange. Mais moi, je pense aussi que toutes les institutions, que ce soit la région, le département, mais nous, en tout cas, au plus près des populations, les villes et les agglos, on a besoin d'avoir de la recherche pour nous accompagner. On sait faire plein de trucs. On sait faire de l'ingénierie, on sait faire tout ça. Mais alors ça, c'est pas notre boulot de le faire. Et c'est là où on a intérêt certainement à multiplier le travail à faire avec les doctorants, enfin avec les chercheurs sur ce territoire. Donc je sais pas si y a Frédéric, mais il y a aussi Dorian qui a parlé, il y a Alexandre, enfin voilà. Je me permets de rajouter que la réciproque est vraie. Je pense que la recherche, elle a besoin de terrain d'expérimentation et elle a besoin qu'on leur amène des choses. Merci. Alors Corinne, je ne vais pas me permettre de répondre à ta question parce que merci d'avoir parlé de mes travaux. Enfin si, je vais quand même dire un mot, c'est que pour moi, je suis très heureux de produire du savoir de recherche. Ça me plaît, voilà, et je suis très heureux d'être soutenu institutionnellement et financièrement pour le faire. D'abord, ma thèse, monsieur, a été financée par la région d'Hauts-de-France. Alors, j'ai remercié ce matin la CAPH, mais avant la CAPH, c'est la région d'Hauts-de-France qui a sélectionné mon sujet de recherche et l'a financé. Après, la question qui se pose eu égard à la posture de j'allais dire médiation scientifique que je porte actuellement. Ça demande des compétences, peut-être ne les ai-je pas jusqu'au bout, mais c'est un sacré boulot, notamment au sujet de l'ERBM. J'avais mis au jour, parmi d'autres choses, des spécificités locales, sociales ou culturelles qui étaient un petit peu heurtées. Dans le processus de rénovation des logements, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, j'essaie d'en parler, mais comment c'est reçu avec beaucoup d'intérêt, souvent d'ailleurs, autour des tables de discussion. Techniquement, faut le prendre. Corinne parlait tout à l'heure, avant la table ronde, tu as employé le mot... Tiens, je vais faire le lien avec ma question du coup. Donc ça, c'est la médiation, scientifique, quand je parle pour moi, pas pour les autres, hein, mais mettre au jour des sujets de réflexion qui, par ailleurs, ne sont pas toujours forcément pessimistes, hein, mais après, pour que ça devienne opérativement du travail, le trait d'union, je crois qu'il est encore... et j'en prends la responsabilité, hein, parce que l'anthropologie, je ne suis pas persuadé que ce soit super opératif, ça peut l'être, mais transformer des pistes de réflexion de savoir du terrain avec travail opératif, c'est un travail. Bon voilà, ça c'est une piste de réflexion. Après, je voulais répondre à ce que vous avez dit, monsieur Silani. Je vois pas super bien de loin, c'est ça? Je veux pas écorcher votre nom. Je réponds gentiment d'abord. Vous disiez, oui, vous aussi, les chercheurs, à faire attention à la manière dont vous formulez les choses. Je suis totalement d'accord. Après, Corinne, tout à l'heure, a défendu les mairies quand on parlait des mairies. Moi, je vais défendre mon école de recherche. Et je crois que celles et ceux qui ont lu les travaux que j'ai produits, j'espère et je crois donner toute dignité à la rationalité pleine et entière des personnes que je rencontre
et mettre sur une horizontalité. On parlait de transversalité. Moi, je vais parler d'horizontalité. Quand j'emploie le mot interlocuteur, quand je parle des interlocutrices, quand je parle des personnes à qui je rencontre, c'est parce que je ne parle pas d'interviewé ou d'informateur, d'interlocuteur, parce que ce sont des personnes qui nous valons. Bon, je dis ça. Et pour prolonger mon commentaire, et j'en arrêterai là. J'ai trouvé absolument intéressant, Monsieur Silani, le chemin que vous traciez de d'abord l'exigence des citoyennes et citoyens envers les actions publiques. Et intérieurement, je me disais que l'exigence quelquefois forte témoignée est la cousine ou est la rhétorique de la défiance. Je reprends les mots. Et je la vois quelquefois, et j'ai mes propres cordes sensibles, là, bien sûr, et c'est vrai que c'est un peu douloureux de voir cette défiance, pas toujours, hein, mais elle est quand même là. Et je reprends les mots d'un technicien de l'action publique du département du Nord, d'ailleurs, et qui parlait de cette gradation de défiance, d'abord le président, d'abord les ministres, après les élus, après ci, après là, jusqu'à ce que ça grignote les services des techniciens et techniciens de la fonction publique territoriale. C'est scrogneux. Ça peut sembler, ça peut être un peu douloureux, dommage, et vous le souleviez à juste raison, donc je voulais en faire état aussi, avec un enjeu aussi, pourquoi pas, d'interconnaissance. C'est-à-dire que quand je parle, que j'amène quelquefois du matériau de réflexion à la discussion des tables des politiques publiques territoriales ou autres, c'est un enjeu d'interconnaissance. Et il y a quelquefois aussi un enjeu de non-connaissance, vous l'aviez soulevé, je ne vous apprends rien, du fonctionnement des institutions publiques. Voilà, j'en ai terminé. Si je peux me permettre de rebondir, parce que... Alors déjà, on a bien fait de financer votre thèse, de ce fait. C'est assez intéressant ce que vous dites. Parcours d'ascension sociale aussi. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'innovation sans recherche. Moi, je suis peut-être utopiste, mais je suis convaincu qu'on ne réglera pas les grands problèmes de ce monde sans innovation. C'est que là, on a une tendance à retrouver des règles du passé pour essayer de régler les grands problèmes d'aujourd'hui. Je crois que c'est par l'innovation. Et l'innovation, c'est par la recherche. Et là, notre défi à vous comme à nous, hein, qui appartenons à deux mondes différents, c'est comment on acculture ces deux mondes, qu'on puisse créer des ponts, des connexions, qu'on puisse se comprendre, se parler. Parce que des fois, ces amis chercheurs hein, qui étaient à la fac avec moi, fin de soirée, je dis « j'ai rien compris à ce que tu m'as dit ». Et moi, je parle de mes cancans politiques, ils me disent « wow, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit aussi ». C'est qu'à un moment, comment on arrive à mieux se connaître, pour mieux se parler. Parce que vous allez avoir l'idée, vous allez avoir la démarche scientifique, vous faites de la science, et c'est un beau terme. Et voilà, de trouver finement le problème, etc., porter un début de solution. Et nous, on doit le concrétiser, la mettre en application par un processus politique et ensuite technique. Et c'est là où il y a vraiment une acculturation à avoir entre deux mondes. Et c'est aussi par des événements comme aujourd'hui. Et ça fait du bien de parler de sujets comme ça, parce qu'on a l'habitude de survoler un peu, nous, nos sujets tous les jours, parce que le monde va vite, les urgences absolues. Bah, ça fait du bien de faire des rencontres comme la vôtre, de dire on se pose, puis voilà, on réfléchit, puis vous nous apportez toute la connaissance... technique, scientifique. Mais je serais intéressé qu'on se revoie à l'occasion. Ouais. Okay. Ok. Non, une remarque sur l'idée de la sociologie comme une sociologie qui insisterait trop sur le déterminisme social et qui donnerait un peu une image pessimiste. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'explique Bourdieu, c'est à partir du moment où on porte le constat de déterminants sociaux qu'on peut lutter contre ces déterminants sociaux. Et notre premier rôle, en fait, c'est de mettre en avant ces déterminants pour mieux les contrecarrer. Mais après, notre rôle, ce n'est pas non plus de faire des propositions, c'est de faire des constats. Et j'estime, moi, qu'on fait notre boulot de chercheur à partir du moment où on révèle ce que tout le monde sait. Enfin, et ça, mettre en évidence ta thèse tout à l'heure a bien démontré ça. Finalement, ça répondait à plein de choses que les gens avaient l'impression de connaître. Mais mettre ça sur papier, faire ce constat, c'est notre boulot. Mais ça suppose, par contre, une autre chose qui est extrêmement compliquée, c'est de garder l'indépendance de la recherche. On n'est pas des consultants. Moi, j'ai eu, et heureusement, au rectorat, à la DRET, etc., et à l'IF2RT, on a vraiment
des libertés. Et la liberté académique, c'est très important parce que les plus grands résultats de recherche ont été faits, ont été accomplis grâce à des recherches qui n'avaient pas un intérêt immédiat. En fait, ce n'était pas pour créer le nouvel iPhone. C'était, je vais être caricatural, la quantique physique, etc., a permis les plus grandes recherches. Et pour, quand on pose souvent la question, mais ça sert à quoi ? Vous savez, la phrase hyper violente, un chercheur qui cherche, etc. Moi, j'aime bien répondre à cette remarque. Des gens qui répètent à tue-tête cette phrase, on en trouve. Mais par contre, celui qui l'a inventé, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est une catastrophe parce que la recherche doit être indépendante. Et dans le cadre de ma recherche, la première, juste une petite anecdote avec Richard. Quand il m'a auditionné pour le poste à l'IF de Hattay, il m'a dit on va faire de la recherche. On va vraiment faire de la vraie recherche. On n'est pas là pour répondre à quelque chose d'orienté. Et en plus, le rectorat nous a laissé toutes les marges de manœuvre. Et c'est ça. Finalement, en fait, la sociologie fait un peu peur, en fait, parfois. La recherche fait un peu peur, alors que ça devrait être le contraire. Parce que finalement, nos résultats, presque tout le monde le présuppose. En tout cas, c'est pas étonnant que. Alors, juste à titre, puisque je suis spécialiste des questions de santé aussi, il y a moins de 5% des déterminants de santé qui relèvent de la biologie. 95%, et ça, c'est les études épidémiologiques qui révèlent ça, sont de nature sociale. Donc là, révéler ces déterminants est absolument nécessaire. Bon, voilà, j'en ai terminé. Je voudrais faire quelques remarques sur les questions pour aller un peu plus loin. Alors d'abord, je suis enseignant-chercheur, ça c'est mon métier de base. Et le président de l'Université de Lille m'a demandé de m'occuper de l'Institut fédératif il y a quelques années, à la demande du préfet et de la rectrice, ce que je fais avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et en fait, je rencontre des gens qui, à leur niveau, font beaucoup de choses. Je pense que la journée témoigne de ça. Alors après, la mise en musique de tout ça, évidemment, ça, c'est compliqué, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, l'université n'est pas qu'observatrice, elle est aussi actrice du développement. Sur 30 ans, je rappelle, ces départements, cette région, ont vu la construction d'universités publiques. Il n'y avait que l'université de Lille et d'Amiens, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en a 6. Donc évidemment, c'est un acteur dans la démocratisation de l'accès aux études. Parce que la logique géographique, elle est que quand on a une université en Artois ou une université à Valenciennes, c'est plus simple d'envoyer ses enfants. Voilà, alors évidemment, si on a en plus maintenant un TER qui va aller très très vite vers Lille, c'est formidable. J'ai bien compris que c'était l'acquis de politique publique de la matinée. Ça, c'est important. Mon troisième point, les liens entre le monde de la recherche académique et le monde du développement au sens large et territorial en particulier, ils sont anciens, ils existent, il y en a beaucoup, donc je vais rappeler tout simplement que les départements et les régions contribuent beaucoup au développement de la recherche académique via les politiques d'aide aux recherches doctorales, et c'est en ce moment, je crois, que va commencer la campagne, et la région va sélectionner des projets, j'espère qu'elle va sélectionner les bons. Je lui fais confiance, il y en a quelques-uns d'intéressants, mais je sais aussi que les départements ont aussi contribué à ça. C'est important, on peut faire mieux, il y a des régions qui font mieux, mais on fait déjà beaucoup, donc il y a des marges de manœuvre, la balle est un peu aussi dans le camp des collectivités territoriales pour aider la recherche. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on a besoin d'ouverture de terrain quand on est chercheur, et l'Institut fédératif fonctionne dans les deux champs, dans les deux sens. C'est pour ça qu'on a mis en avant la notion de recherche partenariale. Pas une recherche académique surplombante, mais une recherche co-construite. Je pense même que la co-construction, ça peut aller jusqu'à la co-construction des indicateurs qui permettraient d'évaluer les politiques publiques en impliquant très largement les citoyens qui ont donc une intelligence collective, on le sait maintenant, c'est confirmé, qui n'est pas bien mise en valeur. Mon troisième point, c'est de dire qu'il y a évidemment des angles morts dans ce qu'on fait. C'est compliqué, il y a un travail compliqué de maillage. Alors, ce matin, on a entendu que
le préfet et la rectrice donnaient une perspective de 4 ans à l'Institut fédératif, à pouvoir capitaliser les 2 ans d'expérimentation. Et donc, je fais un peu de placement de produit, hein, mais ça vaut le coup. Donc, dans le matériel de colloque que vous avez eu ce matin, qui vous a été distribué, il y a un petit dépliant qui est bien fichu, dans lequel on peut vous dire en quoi on vous est utile. Moi, je n'ai aucun problème à répondre à toutes les questions, sollicitations par téléphone, par Zoom, etc., les questions que vous vous poseriez sur l'utilisation de l'Institut fédératif au niveau professionnel qui est le vôtre. Franchement, je le fais depuis 2 ans et demi, 3 ans. On a même fait ça pendant le Covid. C'est pour ça qu'on est là. Donc, il ne faut pas hésiter. Et on a monté des projets de recherche qui démarraient de très, très loin. Alors, on pourrait prendre l'exemple CAPA. J'en ai d'autres en tête. Évidemment, ça demande de se parler. Et puis, les acteurs, ils veulent bien se lancer dans un truc, mais il faut quand même aussi qu'ils y voient leur intérêt. Non pas l'intérêt au sens pécuniaire du terme, mais l'intérêt au sens de intérêt pour ma politique publique. C'est ça qu'on doit faire. Et donc ça demande du temps. Là, on a un peu des perspectives. Elles ont été annoncées ce matin. Je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ce qui est important pour la recherche, c'est le temps. On a besoin de temps pour se projeter, pour construire les compétences, pour co-construire les projets de recherche. Ça demande du temps. Les moyens, on peut toujours éventuellement en trouver dès qu'on a le temps de construire le bon projet. Et ça, c'est ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Institut fédératif. Je termine sur un point. On l'a très habilement intitulé « Sur le renouveau des territoires ». Évidemment, l'ancrage dans le bassin minier, il est fondamental. On va continuer à le faire, puisqu'on est associé pour encore un moment avec le RBM et avec la mission bassin minier. On va faire des tas de choses. Donc on voit bien que le barycentre, c'est quand même le bassin minier. Mais on a bien conscience, on avait bien conscience, avec le préfet de l'époque, avec les acteurs, d'élargir à ça, Sambre Avesnois, évidemment, etc., etc. La recherche sur les grossesses adolescentes qu'a présenté John Tomkinson tout à l'heure, ce matin, est une recherche où on a fait apparaître que des problèmes similaires se retrouvaient dans d'autres territoires. Donc du coup, là, on peut élargir. Et l'outil, il est là, il y a juste qu'à l'activer. Et donc, je réitère mon offre de service. Alors, derrière moi, il y a des tas de gens qui travaillent, mais moi, je suis la tête de gondole et je réponds au téléphone, je peux vous donner mon portable. J'ai aucun problème avec ça. Donc, je suis universitaire. Donc, a priori, j'ai le temps de vous répondre. Et d'une certaine façon, je peux monter des projets avec vous, les co-construire. On peut démarrer de pas grand-chose et arriver à la fin à quelque chose qui tient la route et qui produit des résultats. Alors, je termine sur un dernier point. L'Université de Lille et puis les universités partenaires, si on va jusque Amiens, alors pour le moment, ils ne sont pas encore associés, c'est à peu près, rien que pour les SHS, 1500 chercheurs, enseignants-chercheurs titulaires et plus de 50 laboratoires, dont une quinzaine associés au CNRS. Donc, on a une recherche en SHS de très haut niveau, de très, très haut niveau. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'aller chercher des Parisiens, des Lyonnais, etc. pour faire la recherche. Vous avez tout ce qu'il faut dans la région. Rien que sur ces universités-là, le potentiel de recherche. Donc je me fais fort de vous trouver, si vous me donnez un problème, le collègue qui va bien, ou les collègues, ou l'équipe qui va bien. Je vois que vous travaillez avec des gens très bien du CERIES, Clément Rivière, par exemple. Il y a d'autres collègues qui sont impliqués indirectement. Pourquoi on a fait l'Institut fédératif ? Pour mettre tout ça un peu en musique, pour coordonner, pour échanger. Sinon, il y a beaucoup de recherches en bilatéral qui se font. Elles sont d'un excellent niveau, mais la mise en table, la capitalisation de ça, ça demandait un outil. Et je pense qu'avec les prochaines années, on devrait arriver à le faire arriver à son rythme de croisière. Voilà, j'étais un peu long, mais je pensais qu'il fallait quand même le dire. Il faut produire local, y compris la production intellectuelle du local. Alexis, consommons local, produisons-nous. Oui, bonjour, Alexis Mauclin. Donc, je travaille pour la CAPH, donc, qui est beaucoup évoquée cet après-midi. Et parmi mes missions, j'ai notamment l'occasion de porter techniquement la stratégie jeunesse 15-25 ans qu'on a construite depuis 2 ans. Donc, sur la base de ce retour d'expérience, en fait, je voulais aussi souligner un facteur qui, moi, me semble important sur le fait de vouloir s'appuyer sur la recherche académique. C'est parce que, moi, il me semble qu'en tant que technicien, que ce soit d'une ville, d'une agglomération ou autre, on est aussi dépendant de logiques institutionnelles et des relations partenariales qu'on a avec tout type d'acteurs avec lesquels on peut travailler, que ce soit des assos, des institutions, des collectifs d'habitants, etc. Et que du fait de ces logiques dans lesquelles on est pris au quotidien et dont on est conscient ou inconscient, c'est parfois difficile de sortir de ce cadre et de vouloir peut-être porter des conclusions ou des sujets qui peuvent être difficiles, qui peuvent être tranchants, qui peuvent être difficiles à faire passer. Je vais prendre un exemple, c'est que nous, quand on a fait ce diagnostic sur cette stratégie, on s'est appuyé en l'occurrence sur un bureau d'études qui est composé de 2 sociologues
et c'est un bureau valenciennois, donc c'est bien, on s'est appuyé sur les forces vives du territoire, on n'est pas allé chercher des sociologues parisiens. Donc ce qu'on s'est rendu compte, notamment dans le cadre de cette recherche-action, c'est que l'un des enseignements, c'était que les jeunes du territoire, en l'occurrence les jeunes de la Porte du Hainaut, se désintéressaient des centres sociaux. Et c'est vrai que nous, en l'occurrence, dans la politique de la ville, on travaille beaucoup avec les centres sociaux parce que, mine de rien, ce sont des structures qui ont la capacité technique à aller chercher les financements. Donc du coup, on crée un système qu'on enrichit à nouveau, et ça, c'est un autre problème qui n'est pas abordé aujourd'hui, mais bon, c'est aussi un autre souci. Et en fait, forcément, quand on doit présenter ce résultat face à des partenaires, notamment à des représentants des centres sociaux, forcément, vous imaginez bien que la pilule peut être un peu difficile à passer parce qu'on viendrait leur dire presque qu'au final, ils veulent monter des projets pour toucher une cible qui, au final, cette cible ne s'intéresse pas à ces structures. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important aussi d'avoir un retour académique ou en tout cas un regard de recherche parce que ça permet de faire prendre conscience que nous, on n'a pas envie d'embêter nos partenaires de terrain en faisant prendre conscience peut-être de certains freins, de certaines difficultés, mais que juste si on fait appel à l'expertise d'autres personnes qui ont aussi une vision du territoire, qui ont mené aussi de la concertation, mais qui ne sont pas pris dans ces jeux de pouvoir auxquels on est au quotidien confronté, quelque part, ça aide aussi à faire avancer les politiques publiques. Donc c'est pour ça que, à mon avis, la recherche académique est aussi utile dans le sens où elle permet de prendre de la hauteur, ou en tout cas aussi d'apporter certains enseignements que peut-être on ne s'autoriserait pas parce qu'on ferait une sorte d'autocensure pour ne pas se mettre à mal le partenariat qu'on veut établir et pérenniser avec nos partenaires de terrain. Merci. Merci. Il y a d'autres... là-bas, c'est bon. Quelle heure il est ? 5h10. 3 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Je travaille pour l'association AFEV. Pour l'AFEV, qui est une asso au départ nationale, mais qui est présente sur l'Artois et sur l'Ansaras-Béthune. Et je voulais repartir un petit peu d'un projet jeunesse qu'on a monté il y a pas très longtemps, et je voulais revenir un peu sur les dires de la table ronde, sur notamment la question de la vision de la jeunesse sur son territoire, parce que c'est un sujet qu'on a tous et toutes à cœur aujourd'hui. Et on a travaillé du coup avec un échantillon de jeunes depuis ces 3 dernières années, notamment avec des STMG, donc lycée Condorcet, lycée Béal de Lens, et sur territoire d'hier, d'aujourd'hui, de demain, comment tu le vois, comment tu te projettes. On est parti sur un exercice très simple de photolangage. En fait, on a compilé une cinquantaine de photos du bassin minier, donc lieu culturel, lieu sportif, lieu de formation, lieu de vie. On leur a demandé, du coup, de sélectionner une photo vraiment qui représente pour eux le bas, qui est l'emblème un peu du bassin minier, en tout cas lieu d'épanouissement aussi pour eux, surtout lieu d'épanouissement, où ils sentent le mieux. Il y avait le stade Bollard, il y avait évidemment tout cet imaginaire collectif. Et la première photo qui est ressortie, sur 75% de l'effectif des STMG, et c'était valable en 2022, comme en 2023, c'était le centre commercial Noyelles-Godault. Donc, évidemment, le but, c'est pas juste de dresser un portrait comme ça qui déboule. C'est juste que qu'est-ce qu'on fait de ce matériel ? Parce qu'on a creusé un petit peu cette question-là avec eux, avec voilà, des partenaires d'intelligence collective avec qui on a l'habitude de travailler. On a travaillé avec le PMA, du coup, avec un ensemble d'experts du territoire qui a abordé pas mal de sujets avec eux. Mais là où ce que j'aimerais bien, du coup, par la suite, c'est que si ces travaux se poursuivent, c'est comment on croise l'urbain à tout ce qu'on aborde aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a une vraie question au niveau des sociologies urbaines, la sociologie de la ville, comment on pense la ville, comment on pense le déplacement des jeunes dans les villes moyennes. Parce que là, on est sur un territoire qui n'est pas un territoire métropolitain. Enfin, comme moi, je l'appelle, pour moi, la métropole, c'est Lille. C'est pas spécialement Lens, Arras ou Béthune. Quand il y a une tentative d'avoir une communauté d'agglo métropolitaine, c'est pas à l'image de la métropole, vu qu'on a un chapelet de villes moyennes qui ne regorge pas, du coup... une question au niveau de l'attractivité, donc évidemment il y a des choses qui sont en train de changer, mais les choses qui sont en train de changer sont souvent hors sol pour la jeunesse parce qu'elles ne conscientisent pas encore ces changements. Donc du coup, moi, toute la question, c'est comment on associe les jeunes dans ces changements, parce que on a tous volonté à les associer, mais du coup, pour les associer, ça demande quand même
matériel quand même, des vrais temps de concertation avec l'éducation nationale, des temps avec des partenaires qui se saisissent de la question, des temps avec le secteur économique. Et les temporalités de l'éducation nationale n'est pas la temporalité associative, ni la temporalité du monde économique. Donc à un moment donné, comment on croise tous ces secteurs et comment on peut se focaliser sur le regard de la jeunesse sur la conception de la ville de demain. Alors après, c'est très large, évidemment. Mais c'est juste que cette photo, elle était évidemment hyper interpellante. Parce que quand on creuse, c'est, je vais pas au centre-ville, pourquoi ? Parce qu'il faut se garer, puis que c'est payant. Et parce que à Noyer-le-Bodo, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux aller au magasin, je peux aller manger, je peux aller au cinéma. Donc, et face à la paupérisation de centre-ville, alors moi, je me pose quand même des questions. Il y a quand même énormément d'argent qui est mis sur la table, notamment les actions cœur de ville pour redynamiser les centres de ville moyennes. Moi, je vois quand même des commerces qui ferment tous les deux ans, avec du snacking à gogo, et j'en passe et des meilleurs. Donc, à un moment donné, on se pose la question d'un RER qui va vers Lille. Alors oui, RER qui va vers Lille. Encore faut-il s'en saisir du RER. Si on utilise des transports, c'est encore autre chose. Mais du coup, si on va vers Lille, à un moment donné, c'est... Pardon, là. Si on va vers Lille, c'est parce qu'il y a aussi tout ce qu'il n'y a pas dans ces villes moyennes. Merci. Merci beaucoup. C'est la culture avec ce sport. Mélanie, oui, et puis on conclura. Oui, simplement pour sur le... prendre acte des interpellations de clôture et pour vous dire que, bien évidemment, même si le préfet n'est pas là, il recevra un écho de tout ce qui a été dit. On est ici dans un lieu, effectivement, d'échange et un peu de brainstorming. Il y a énormément de choses qui ont été dites et qui pourraient donner matière à d'autres recherches, colloques ou journées d'études. Je me tourne vers mon voisin qui acquiesce. Mais il y a aussi, dans le RBM, des lieux où on fait les choses. Vous le connaissez, Mme Créqui, Monsieur le maire aussi, à travers le RBM, puisque vos deux communes en bénéficient. Et la méthode, elle est partenariale. C'est-à-dire qu'on se retrousse tous les manches et qu'on essaie de trouver la meilleure façon d'avancer. On a mis cette année en discussion partenariale, en travail partenarial, le sujet de la santé aussi. Donc, toutes les réponses ne sont peut-être pas ici au niveau local, mais il y avait 5 thématiques qui ont été proposées. On en a abordé l'une ou l'autre cette année. Il reste encore... beaucoup de choses à faire et voilà, moi je saisis la balle au bon. On serait ravis de continuer à travailler de façon partenariale sur ces questions de santé. Et pour répondre à Monsieur Géhanneau, donc les constats qui ont été partagés suite aux interviews d'habitants, y compris de cités minières en rénovation, et c'est également le cas pour Monsieur Maillard, elles ont été partagées dans un premier temps avec les bailleurs et je peux vous dire qu'il y a eu un choc de culture aussi. Voilà, c'était intéressant. Donc il faut laisser un peu la poussière aussi retomber pour réussir à digérer les constats des uns et des autres. Mais l'idée est bien de tirer la pelote de fil et d'en parler tous ensemble. Et avec les EPCI autour de la table, on est en train de faire atterrir un peu les agendas pour pouvoir organiser ça au début de l'année prochaine. Voilà. Merci. Bon, je pense qu'on est dans les temps pour conclure. Messieurs, est-ce qu'il y a un mot de conclusion ? Est-ce que vous êtes heureux d'habiter votre territoire et d'être là avec nous aujourd'hui et de toutes ces discussions. En tout cas, moi, je merci beaucoup pour cette table ronde et puis merci pour cette journée et vraiment merci pour le travail de l'Institut.